Pour la première vidéo de la deuxième année de la chaîne, j'ai décidé de refaire un montage sur nos vacances de ski de mars 2018 à Valmorel. Avec Chloé, on a décidé de ne pas mettre Jeanne à l'école de ski. Les cours, ce n'est pas donné, et en plus, elle aurait été avec 100 autres bambins sur une toute petite piste. Vu les conditions, on a pensé qu'elle apprendrait beaucoup mieux avec nous. Pari gagné. Au bout de 3 matinées, elle descendait déjà sa première piste bleue et elle prenait même toute seule le tire-fesse. Quant à nous, les parents, on profitait des pistes l'après-midi. Là, par exemple, c'est la piste noire non damée qui s'appelle le Ruyondais. Un peu dur pour des gens qui n'habitent pas à la montagne, mais ça va, on s'en est pas trop mal sorti. 15 minutes pour la descendre. Valmorel et Saint-François-Longchamp, c'est vrai que c'est vraiment un chouette domaine. Il y a toutes les pistes pour tous les niveaux, c'est super super bien. Moi j'adore faire des chousses, c'est vrai que là-bas, pour faire des chousses, c'est vraiment super. Il y a des noirs damés qui descendent à brut. Là par exemple, sur ce passage, j'ai réussi à faire 111 km/h. Alors comment je calcule la vitesse? Eh bien tout simplement grâce à l'application Ski Rossignol qui se connecte directement au GPS et ça vous donne la vitesse. Là, j'attaque un autre chousse, c'est une piste rouge qui s'appelle le Motet. On se rend pas bien compte, c'est dommage, la caméra était... J'ai oublié de la remonter pour qu'on voit vraiment la piste, mais ça descend raide quand même le Motet, c'est assez sympa quoi, pour chousser, c'est sûr. Il y a de la place pour s'arrêter en plus, donc... Tombé sur une super semaine, parce qu'il y avait de la neige, et en plus, il n'y avait pas grand monde, quoi. On a même fait du ski avec Papy Claude, 75 ans. On peut regarder le style, ça le fait. Pour le moment, nous sommes à la maison. Mais on vous donne rendez-vous à la fin du mois pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on sera avec Auguste le camping-car. On vous dit à bientôt et on vous embrasse très fort. Ciao ciao !